Moi, j'ai acheté mon premier poste radio avec ma première paye, tu vois, à 14 ans. Sinon, on n'avait pas de poste radio. Dans les maisons, quelques-uns un réfrigérateur, mais pas tout le monde. La télévision est arrivée dans les années 54-55. Alors les gens regardaient sur les maisons, comme ils disaient en Berrichon, mais il y a le radio sur le toit, il y a le radio sur la maison. Alors c'était que les gens avaient acheté la télé. Alors certains, oh, ben, il a de l'argent, d'autres, ben, on peut bien acheter une aussi, nous quand même. C'est comme les voitures. Alors je reviens un peu, les voitures tout de suite après la guerre, les voitures, les C4, les fameuses C4. Alors, il y en avait à peu près dans toutes les, dans, chez tous les cultivateurs. Ils achetaient ces voitures d'occasion. Alors, il y en a un qui osait l'acheter, puis après, l'autre, oh ben, on achetait une aussi. Ça marchait comme ça. Il y avait un peu de, je ne sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, un petit peu. Mais bah, c'était la vie de l'époque. Bon, ils ne devenaient pas riches, les gens, mais enfin, il y a eu des bonnes années. Il y a eu des bonnes années pour les cultivateurs après la guerre. Dans notre région, c'était de la polyculture. Vaches à lait, des récoltes, ils avaient des cochons. Comme on disait, on fait argent de tout.